Salut tout le monde, c'est Napsy. Aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite Battle Royale. En fait, je suis vraiment super excité là. Enfin, vous le voyez pas trop, mais je suis tellement excité parce qu'en fait c'est la nouvelle saison du chapitre 2, saison 2. Wow. Bon, après c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'événement à la fin de la saison. Bon, c'est un peu dommage, mais je pense que l'événement c'est l'arrivée de la saison. Sur ce, on se retrouve tout de suite sur le jeu. Ouah les gars, direct là, on voit des skins comme ça de partout. Ça fait flipper, enfin un peu, parce qu'on le découvre pas directement dans le pass de combat. Du coup c'est voilà quoi. Vous m'avez compris. Battle Royale. Ouah les skins. Enfin du moins le skin, elle a l'air trop stylé ce skin. Bref, vas-y, on va appuyer sur jouer. Qu'est-ce qui va se passer? Attention. Ouah les skins, ils sont tellement stylés pour de vrai. Ouah. D'accord. Ça nous accueille pas direct, on rejoint. Non mais sérieux. Ouais bref, bon bah maintenant ce qu'on va faire c'est, vous le savez pas mais hier j'ai tellement tryhard les défis, c'est un truc de fou. Parce que hier en fait c'était la dernière journée et je me suis dit oh vas-y direct là je dois tout faire en un coup là en une seule journée. Wow, à vrai dire j'ai fait tellement de trucs en une journée. Bref, attendez, là on va découvrir le pass de combat ensemble hein. Vous vous rendez compte? Attention, passe de combat. What? Ah déjà, il y a plusieurs trucs. Ça a totalement changé le truc quoi. Agent, d'accord, c'est quoi agent? Continuer, d'accord. Brutus. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il a, Brutus? Brutus, ombre, fantôme. Confidentiel, confidentiel. Ah, il y a deux trucs confidentiels. Genre un peu. Ah oui, d'accord. Ça, c'est l'ombre. Et ça, c'est le fantôme. Mais c'est quoi, en fait, le truc? En gros, pour avoir Brutus en ombre, il faut acheter le pass de combat. Ne vous inquiétez pas, ça, on va le faire. Avoir le niveau 20 et accomplir en moins de 18 défis du briefing de Brutus. Ah oui, d'accord. Et ça a l'air trop stylé. En plus, même le skin, il est stylé. Donc, bah, là, c'est la même chose, en fait. Ouais, c'est totalement la même chose. Ouais. Elle va atteindre 13 jours pour le prochain skin. Pour le style du prochain skin, je pense. Oh, le pass de combat. On va regarder ça direct. Déjà, le premier skin. Revoir la vidéo. Mais je n'ai pas vu la vidéo, pourquoi? Attendez, on va regarder la vidéo. Bienvenue à l'agence. Nous vous attendions avec impatience. Votre plank. Achetez le pass de combat pour recruter ce groupe d'agents. Miaouskli. Ce félin colossal n'est pas toujours une bonne patte. Wow. Midas. Un génie qui a de l'or dans les mains. Maya. Une spécialiste que vous pouvez entièrement personnaliser. Et plus encore. Wow, mais c'est trop stylé. Trop bien. Pendant la saison, accomplissez des missions pour gagner une variante inédite de vos agents du pass de combat. Fantôme ou ombre, choisissez judicieusement. Vous participerez également à des opérations qui changeront le destin de l'île pour toujours. Votre futur commence en achetant le pass de combat. Recevez votre groupe d'agents, 1500 V-Bucks et de tous nouveaux objets. Le futur est entre vos mains. Nous savons que vous ferez les bons choix. Bonne chance. Il y a Deadpool. Pourquoi il y a Deadpool? Waouh, mais c'est trop stylé, mec. Si je ne trompe pas, c'est elle qu'on peut entièrement customiser ça. Waouh. Attendez, on va découvrir le pass de combat ensemble. Donc, en premier, il y a Maya, d'accord. On peut pas voir les styles et tout pour l'instant, non. Non, je pense pas. Bon, ça va. Ça ressemble au skin par défaut, mais c'est stylé, ouais. La banane en gentleman. Non, mais sérieux. Oh, le beau gosse. Il est tranquille, hein, le mec. Oh, après, c'est quoi? La danse. D'accord, la danse, genre, on communique, quoi. Le Skype, ouais. Le Discord. Bref, ça, c'est quoi? D'accord, ça, c'est juste un arrière-plan. Waouh. Oh, c'est stylé. Oh, ça va, pour de vrai, c'est stylé. C'est une valise, carrément. Ok, après, il y a 2000 V-Bucks. 100 V-Bucks. Pourquoi ça serait 2000 V-Bucks? Ok, il y a 100 V-Bucks. Waouh, il y a un sac à dos banane. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop stylé, ce sac à dos. D'accord, bon, après il y a ça. Oh, il y a une musique. D'accord. Après il y a des menottes. Et au 10, il y a des interrogateurs. D'accord, c'est on gagne des interrogateurs au niveau 10. Bref, après il y a quoi? Ok, il y a un petit truc d'icône. Après, 13. Ok, un arrière-plan, ça va. Wow, je sais pas trop ce que c'est. Mais ouais, ça va encore, ouais. Ça passe. Ça aussi, ça passe. Ouais, si j'ai ce planeur. On dirait des billets carrément dedans. En fait, non, c'est des billets. C'est des V-Bucks. On a des V-Bucks dedans. En version billet. Bref, ok, après il y a ça. Il y a ça. Un arrière-plan avec du tonnerre, d'accord. Ouais, il est trop stylé lui. Ah, mais en fait, on peut faire un choix entre deux styles. Soit on le choisit en version ombre, ou soit on le choisit en version fantôme. Pour de vrai, j'ai pas envie de t'avoir pour après ça. Mais je pense que fantôme, c'est plus stylé. Moi, je trouve que c'est plus stylé fantôme. Après, c'est mon choix futur, ça. Bref, d'accord, il y a ça, des V-Bucks, un petit sac à dos gratuit en plus.
Ok, une grenade, une emote. Ouah, mais c'est trop stylé. Ah, ça, c'est un planeur. Ouah, super stylé, ça. Planeur épique pilonneur. Oh, il y a un bonus pilonneur. Fendez les cieux avec le pilonneur de TNT In. Le premier planeur qui se chevauche. Ah, on peut monter dessus et tout. Mais c'est trop stylé. Ouah. Et franchement, ça fait du bon taf, hein, je trouve. Oh, le roi lama. Un peu en version cartoon, c'est cool ça. Ouais, c'est stylé. Du coup, il y a des V-Bucks. Il y a une pioche. D'accord, ça va. Ça passe, hein. J'aime bien. Wow, j'étais un truc direct là. Oh, il y a un autre planeur kaboom, d'accord. Enfin, pétarade. D'accord, c'est le monde du planeur, ça, pétarade. Wow. En mode blanc. Ouais, le gentleman et tout. Donc après, il y a quoi? Sac à dos, boom. Oh ouais, avec la petite sacoche, la grenade et tout. Ouais, mais c'est trop stylé. Oh ouais. Oh, j'aime bien cette musique. Elle ambiance bien. Ah, la première danse du pass de combat. Il en avait une autre, mais c'était pas vraiment une danse, c'était une emote. Ça va pour de vrai. Tranquille. Oh, maintenant il est kaboom. Bonus explosion cartoon. Changer le style de TNT Ina grâce à l'emote boom. La première emote de transformation à effet cartoon. Je pense qu'elle a une emote intégrée, un truc comme ça. C'est quoi le choix? Ça c'est le normal. Kaboom, stylé pour de vrai. Après il y a bold et il y a doom. Je sais pas pourquoi, mais je préfère tout le temps les trucs blancs. Donc il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est gratuit, c'est cool ça. TV bug, des boules de ficelle. Ouais, ça, stylé. Après. Mais c'est trop bien. Elle frappe une casserole. Elle est contente en plus. Maintenant il y a cette pioche. Oh oui, en or et tout. Aïe aïe aïe. C'est stylé ça. Griffe solide. D'accord. Ça. Oh, c'est un planeur. Oh. Wow, c'est stylé. Un poisson squelette comme ça, stylé. D'accord. Après il y a une emote. Oh, c'est quoi en fait? Soupe alphabet. Ah oui. Vous voyez les soupes là? On met des lettres là. C'est des pâtes, mais en forme de lettres. Du coup, il y a plein de lettres dans ta soupe et tu manges ça. Ouais, c'était trop bon. Oh, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Hein. Ça fait très très longtemps. Waouh, ouais, c'est stylé. Une emote de chat. Cette saison, elle a l'air plutôt fun, je trouve. Oh, ouais, le beau gosse. Miaouz clé. Ouais, il est trop stylé. Bonus, Biscotto, ce félin colossal peut en mettre plein la vue à ses ennemis grâce à son emote intégré et miaou costaud. Je vois. Oh, wow. Oh, c'est brillant, c'est trop stylé. Ça, c'est la version Evil. Ça, c'est la version plutôt nice, gentil. Sinon, je trouve que Ombre, c'est pas mal pour de vrai, là. Fantôme aussi, c'est très bien, mais Ombre, c'est pas mal pour de vrai. Ouais, je trouve ça pas mal. Il y a ça. Wow. Oh, trop stylé. Trop mignon. Oh, il y a un sac. Ok. Ouais, c'est stylé. Genre un gros klaxon là. Dès que tu tues quelqu'un, tu fais cette emote, l'autre il va rager. Ouais, wow, il y a des cœurs. Bon, on est plus en Saint-Valentin, mais d'accord. Oh, il y a une licorne. Un lama licorne, je pense. Ouais, stylé. Des V-Bucks. Oh, Mr. Banane en version ombre. Il se fait stylé et tout. D'accord, après il y a ça. Il y a ça. Ouah, wow. Le nom c'est Sky. D'accord, bonus. Oli. Le compagnon de Sky se transforme en couvre-chef, en planeur et en emote mobile. Quel compagnon? Il a un compagnon avec lui. En gros, ça là, ce truc, c'est un planeur. Il est disponible en planeur, il est disponible en casque là et aussi disponible en emote. Ouah, ombre, c'est comme ça, fantôme comme ça. Oh non, je préfère ombre là pour de vrai. Violet, rose et tout. Puis ici après il y a ça. Il y a une pièce. Ouah. C'est pas la pièce de John Wick là, dans les défis là qu'on l'a recevé. Ouais, on est plus en hiver mais d'accord. Enfin si, on est toujours en hiver mais c'est en train de terminer. Mais ça va, c'est stylé, en plus c'est gratuit. Bon par contre ça va cacher la vue. Hein. D'accord, après il y a quoi? Pioche de spécialiste. It's good. Donc, reine dorée. C'est une pioche dorée. Une lame dorée plutôt. Ouais, stylé, ça va. D'accord, la musique. Après, c'est quoi? Il y a des V-Bucks. Il y a un couteau. Un couteau en or. D'accord, ça. Il y a un œil. Oh oui. Oh, c'est vrai que tu fais du coup de fou comme ça. Eh, ça va. Elle est stylée cette danse. Et j'aimerais bien qu'il y ait une fois une danse légendaire dans Fortnite. Parce que ça serait tellement bien. Il n'y en a pas un des danses légendaires. D'accord. Et lui, le dernier skin palier 100 au niveau 100. Wow. Midas, il s'appelle Midas. Il est espagnol. Oh, il est en or et tout, trop stylé. Bonus touché d'or. Transformer les armes et les véhicules en or pendant la durée de la partie. Genre quand on les touche, ça le transforme en or. Oh, mais c'est trop bien, mec. Il est en version ombre, tout en or. Version fantôme, tout en or. Je sais pas, je pense que je préfère ombre hein, pour lui. Plus stylé là, avec un petit truc blanc ici. Ou bref, nous ce qu'on va faire tout de suite, c'est acheter le pass de combat, mais pas entièrement parce que je suis pas un pigeon non plus. On va pas abuser, hein, voilà. Acheter le pass de combat, on appuie dessus. Juste, c'est moi la tenue secrète du pass. Quoi? Attends, tu te fous de moi. Acheter le pass de combat. Et les chutes, c'est moi la tenue secrète du poste de combat. C'est Deadpool là, c'est la tenue secrète. Wouah, Deadpool.
Non mais sérieux. Ouais, je pense qu'il y a une collab Marvel hein, pour tout. Parce que le truc de comics et tout là, super stylé, en version drôle aussi. Ouais, je comprends mieux. Oh, Deadpool, c'est le skit secret. Oh, la musique, elle est trop bien. Récupérer 1500 V-Bucks. D'accord, dans le pass de combat, il y a en tout 1500 V-Bucks. D'accord. Donc bref, ce qu'on va faire, c'est acheter but pass de combat. But pass de combat. Il y a un mot en anglais et puis après trois mots en français, tu sais. Buy pass de combat. Buy, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire acheter. Mais je pense que la plupart d'entre vous le savent. Voilà. Ouais, ce qu'on va faire, c'est buy pass de combat. J'arrive bientôt, bébé. Non, mais il est trop drôle, Deadpool. Je l'aime trop, lui. En plus, je suis un grand fan de Deadpool. Ouais, ce qu'on va faire, confirmer l'achat. Let's go. Wow, poste de combat déverrouillé. Maya la spécialiste. Ouais, stylé. Ah, il est légendaire en plus. Ah oui, vu qu'il a plusieurs styles, c'est un peu logique. Ouais, c'est cool ça. Et la banane. Je pense qu'on va équiper la banane pour l'instant, vu qu'on n'a pas encore déverrouillé le style pour Maya. Donc, du coup, on va équiper Mister Banane. Cet espion aura leur peau. Part of the Banana Royale 7. D'accord. Table des défis. Ah, c'est là des défis. Ah, genre, il y a des défis à chaque endroit ou c'est comment? Atterrir au phare de Loki, à la villa des skieurs et au mont Kai. Ah oui, d'accord. C'est comme ça. En gros, il y a un briefing de Brutus, suggested challenge, défi de Maya. Ah, pour Maya, c'est ça qu'on doit faire. Spécialiste de fusil d'assaut. On a une amélioration des cheveux comme récompense. D'accord, on doit faire le défi pour avoir un style. Pour de vrai, c'est cool ce concept. Bientôt disponible. C'est quoi ça? Ombre contre fantôme, bientôt disponible. Ah, genre, il y aura un truc de télé et tout. Pourquoi il y a un ventilateur comme ça? What? Et lettre pour Epic. Cher Fortnite, j'ai imaginé un nouveau design super cool pour le bus de combat. J'avais parié avec des potes que je me couperais le bras si tu t'en servais pas la saison d'arrière. Alors dis à tes artistes que je tiens à mes membres et qu'il faut l'ajouter tout de suite. Ton meilleur pote, Wade. Oui, c'est Deadpool. Wow. Ah d'accord, le plus de combat il doit être comme ça. Ah mais je viens de faire le défi là, non? Lettre pour Epic là, il y avait un défi. Ah d'accord. Ordinateur. Donc César, Wade, mode passe. Défi hebdomadaire de Deadpool. Oh, il y a des défis hebdomadaires de Deadpool. À la semaine 1, il y a trouvé la lettre de Deadpool pour Epic Games et ne pas remercier le chauffeur du bus. D'habitude, c'est remercier le chauffeur de bus, là, c'est ne pas remercier le chauffeur de bus. Du coup, j'ai fait un défi sur deux. Pas cliquer là. Non, je peux rien faire. Oh, je peux cliquer dessus et tout. Je pense qu'il y aura des trucs, hein, ici. Bon, bref, on va faire un retour. Ça, c'est à voir pour après. Ouais, bon, bah, ça sera tout pour cette vidéo sur la nouvelle saison de Fortnite, chapitre 2, saison 2. J'espère qu'elle vous aura plu. Perso, moi, j'ai très bien aimé ce pass de combat. Et bref, sur ce, moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde et peace.